Fidèles téléspectateurs du continent africain, bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission Les Grands Jurys. Celui que nous recevons dans ce numéro spécial Grand Jury a le verbe haut, un style bouillonnant, une voix qui porte, une culture générale considérable, tenace sur le terrain des idées. Il est l'un des plus grands panafricanistes du monde contemporain. Vous l'aurez compris, nous recevons ici ce soir le président de l'ONG d'urgence panafricaniste, chroniqueur et essayiste Kémi Séba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher frère. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous. Avec moi pour vous interroger, Massiré Diop du journal L'Indépendant. Bonsoir Massiré. Bonsoir. Nous avons également Sa Majesté le Grand Sacre, Mamadou Diadié Sakho, promoteur de Tropic TV. Bonsoir Sakho. Bonsoir Omar, bonsoir le frère Kémi Séba. Bonsoir grand frère, bonsoir Sa Majesté. Merci beaucoup. Et je suis Omar B. Sidi B. pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM. En tout cas, accusé d'avoir en Afrique, en tout cas depuis moins de 10 ans, incité l'opinion africaine à rejeter la politique française sur le continent. Aussi, le grand jury a été informé de la profanation par l'accusé de la tombe du président Modibo Keïta. Donc, Kémi Séba est appelé à répondre aujourd'hui de ses deux chefs d'accusation. Quel est déjà votre état d'esprit? La question que j'ai envie de vous poser, qui est-ce qui écrit les charges? L'ambassade de France? Parce que la formulation ne ressemble pas à ce que je rencontre partout où je vais dans les rues. Quand je vais dans les rues depuis mon retour au Mali, c'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique francophone que je foule, que je visite, les gens comprennent parfaitement que ce n'est pas le rejet de la politique française, parce qu'il y a plein de Français qui souffrent. Oui. Le prolétariat français souffre, on l'a vu, la manière dont il est réprimé par l'oligarchie néolibérale française. Oui. Donc ce n'est pas le problème des Français. Je parle du système néocolonial qui est à la fois blanc et noir, oui. Parce que, comme le disait François Fanon, l'impérialisme n'a pas de couleur, il a simplement la couleur du dollar. D'accord. Et aujourd'hui de l'euro. D'accord. Et je terminerai juste en disant que profanation, ça, ce sont les réseaux pro-français qui ont voulu grossir une polémique qui n'a pas lieu d'être. Nous allons en revenir. Il n'y a pas de problème. Nous allons en revenir. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais ok, je vous laisse. Massiré, qu'est-ce que vous attendez de l'invité? Bon, j'attends surtout de l'invité, je ne dirais pas de clarifier sa position, parce que ça va nous mener à Pau et bientôt ça sera à N'Djamena. En tout cas, de nous dire un peu pourquoi tous ces bruits, pourquoi à chaque fois on entend Kémi Séba sur des gros coups, sur des buzz, comme on dirait. Ok. Sax. Oui, moi j'aurais souhaité que le frère jure sur l'honneur et sur la dignité de nous dire toute la vérité, parce que tout à l'heure vous lui avez cité les chefs d'accusation, oui. Mais de nous dire que réellement, est-ce que vous êtes panafricaniste ou soit ce perturbateur, c'est celui-là. Un anarchiste, hein. Voilà, comme le dirait l'autre. Parce qu'il va falloir qu'aujourd'hui, qu'il dise la vérité. Oui. L'émission, elle a eu lieu tous les jours, tous les jeudis. Mais aujourd'hui, vous êtes en audience spéciale. Spéciale. Voilà. Ok, c'est une cour ad hoc. Donc, Kémi Séba, les capitaines fixés par mes deux brillants jurés. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Est-ce qu'il est encore de saison en Afrique? Déjà, de un, j'adore l'émission. Elle n'a même pas commencé, mais je l'aime déjà. Parce que c'est ce genre d'échange que j'aime, surtout quand il y en a plusieurs face à moi. Mais il est important quand même, si vous le permettez, avant de répondre allez-y, au fond allez-y. À votre question, de préciser que, vous savez, mon seul juge a toujours été Dieu. C'est important que je le précise. Et je ne me soumets qu'à lui. Mais il n'en demeure pas moins que je peux toujours expliquer mes positions pour ceux qui ne le comprennent pas. Ils sont de moins en moins nombreux en Afrique. Et ceux qui ne le comprennent pas, comme le disait mon professeur de philosophie, le professeur Grégoire Biogo, le grand philosophe gabonais, il me disait certains feignent
de ne pas comprendre, oui. Alors qu'aujourd'hui, le monde entier comprend la spoliation du continent africain. Après, on peut débattre sur les formes, oui. Sur les méthodes. Ce sera peut-être l'occasion aujourd'hui. Je reviens maintenant par rapport à vous. Qu'est-ce qu'est le panafricanisme? C'est l'unité des diverses formes d'africanité. Sauf que, comme je l'explique dans mes ouvrages, notamment dans l'Afrique libre ou la mort, ou le prochain qui va sortir cette année, s'unir en tant qu'Africain n'est pas une finalité en soi. Aujourd'hui, l'Union africaine, ou ne serait-ce qu'à dans l'UMOA, oui. On a l'union d'un certain nombre de responsables politiques, parfois d'autocrates en tant que tels, qui sont tous africains. Est-ce que ça signifie qu'ils sont panafricanistes? Non. Il faut qu'il y ait une unité dans le cadre de la souveraineté, de oui. L'autodétermination. C'était le projet des pères fondateurs, c'était le projet de Thomas Sankara, c'était le projet de Kwame Nkrumah. Enfin, Thomas Sankara n'est pas le père fondateur, mais oui. Un des grands héritiers. Oui. C'était le projet des Kwame Nkrumah, des Patrice Emery Lumumba, des Ruben Uniobe, des Modibo Keita. Oui. Hein, et c'est notre projet plus que jamais aujourd'hui. Voilà. Massiré, sur le panafricanisme, avant d'évoquer les raisons de son séjour ici au Mali. Oui, je veux dire, est-ce que cette forme de panafricanisme que lui, il incarne, est véritablement au diapason avec les exigences du monde actuel? Moi, c'est ça d'abord ma première préoccupation. J'ai envie de vous poser, je suis touché de la question, je vais vous répondre par une question en vous disant, est-ce que vous avez lu ne serait-ce qu'un de mes livres, juste pour que je puisse me situer? Oui ou non? Peut-être malheureusement. Vous non. Répondez à des questions. Oui, oui, pas... Non, non, mais répondre parfois. L'accusé ne pose pas de questions ici. Vous posez des questions. Je suis accusé par personne. Je suis accusé par personne. Mais ça me permettra juste de mieux répondre à la question. Si, je, par exemple, si vous avez déjà la réponse à votre question. Si je puis me permettre d'être terminé. Si j'ai les éléments de réponse, ça me permettra de encore mieux préciser ma question. Si vous n'avez pas lu, je comprends la raison de votre question parce que tous ceux qui me lisent savent pertinemment que mon obsession, justement, est le monde actuel. Beaucoup parlent du panafricanisme avec une grille de lecture géostratégique qui est adaptée au monde passé. Par exemple, je vois encore des gens qui sont dans une grille de lecture hystériquement marxiste, alors qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, le communisme aujourd'hui est rentré malheureusement dans une sorte de néolibéralisme sociétal, même s'il s'oppose au néolibéralisme économique. Et je dis qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, la nouvelle ligne de démarcation dans ce monde global en tant que tel, c'est le néolibéralisme d'un côté, et ce qui s'oppose à cette uniformisation du monde voulue par cette oligarchie néolibérale, c'est le souverainisme, qui est incarné par des gens qui peuvent être critiquables sur bon nombre de points, que ce soit les Poutine, auparavant Mahmoud Ahmadinejad, Hugo Chavez, paix à son âme, etc., et que nous essayons de faire au niveau qui est le nôtre. Quand nous parlons de panafricanisme, la tonalité souverainiste qu'elle a aujourd'hui, c'est parce que dans ce monde globalisé, ceux qui résistent à ce déracinement du monde sont ceux qui sont dans une logique de protéger quelque part leur identité. Alors l'identité africaine est multiple, oui. Le béninois n'est pas le malien sur un certain nombre de points, on a des différences, le sénégalais, etc. Mais dans ces diversités, comme le disait Tcheranta Diop, on fait partie d'un bloc civilisationnel, comme le dit souvent le conseiller de Vladimir Poutine, mon ami Alexandre Douguin. Et je pense que chaque bloc civilisationnel doit être capable de se comprendre, s'entendre, de se regarder pour exister dans ce concert des nations et éviter l'exclusion dans ce concert des nations. Ok, Sax. En fait, la question que je me posais à l'accusé... C'est... Il dit qu'il n'est pas accusé. Non, mais vous savez, j'ai tellement été accusé par l'élite française, oui. Qu'entendre que je suis accusé par mes frères, ça me fait sourire. Allons-y. C'est pas moi qui vous accuse. Moi, je dois vous juger. C'est les personnes, les hommes et les femmes qui nous regardent. Nous avons reçu des plaintes. Voilà. Combien? Qui nous attendent. Il y en a beaucoup. Deux chefs d'accusation. Il y en a beaucoup. D'avoir incité la jeunesse africaine à rejeter la politique française. Mais j'ai l'impression que je reçois plus de soutien que vos plaintes. Mais bon, allons-y. Le panafricanisme, il est défini, il est répété, mais ce n'est pas ça le problème. Tout à l'heure, à l'intro de sa prise de parole, mm-hmm. Il a cité ces grands hommes mm-hmm. qui ont marqué cette histoire dans son unicité. Et je rajouterai Khalid Mohamed, qui voilà. Est quelqu'un de toutes les façons, en quoi, la question que je m'aurais mm-hmm. posée, oui. Ces hommes-là, en quoi vous vous retrouvez? Comment aujourd'hui, si Modibo est vivant aujourd'hui, mm-hmm. est-ce qu'il va se retrouver en vous? Bah, je pense profondément. Je pense et je le dis simplement. Vous savez, quand vous vous battez pour le droit à l'autodétermination de votre peuple et que vous êtes confronté parfois à des membres de votre propre peuple qui sont les premiers à défendre le droit de l'extérieur de pouvoir régir vos réalités intérieures, Modibo Keïta lui-même a été confronté à cette chose-là à l'époque où il était dirigeant. Nous, au niveau de la société civile, on est confronté à des gens qui, bien qu'ils soient africains, sont plus prêts à défendre les intérêts de l'élite occidentale que les intérêts des populations africaines. Et ce que je constate, c'est que partout où on va,
quand je fais le tour de l'Afrique francophone ou du monde, parce que j'ai la possibilité d'aller un peu partout dans le monde, je constate que bon nombre de gens, sans que parfois on ait besoin de le citer, disent que nous sommes en train de tenir le flambeau de personnes qui se sont battues auparavant pour le droit à l'autodétermination des populations. Quand nous nous battons contre la France-Afrique, cette France-Afrique-là, c'est elle qui a fait en oui, sorte... Oui, mais les Mouribou les faisaient avec un certain nombre de valeurs. Malheureusement, oui, mais et aujourd'hui, je vais citer ces valeurs, manquent beaucoup à votre génération et surtout à vous, les leaders. Je trouve que votre jugement essentialiste sur notre génération ne tient pas la route face à la réalité du terrain. Dans notre génération, il y a différents courants, il y a différentes sensibilités. C'est Tupac qui disait que la manière dont il fonctionne à son époque ne peut pas être la même manière dont fonctionnait Luther King. Vous, dans tout votre combat, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de goût. Est-ce que je peux... Allez-y, je vais terminer mon combat, mais ce serait bien que les téléspectateurs puissent m'entendre. Allez-y. Et je dis donc que c'est Tupac qui disait que la manière dont il menait sa vie, et dont il menait sa lutte, et dont il menait ses idées, ne pouvait pas être la même manière dont ceux qui l'ont précédé la menaient. Chaque époque a ses réalités, et Kémi Séba est Kémi Séba, et ne veut pas être d'autres. C'est une course de relais avec... Vous avez dit tout à l'heure que le monde d'aujourd'hui a ses réalités. Il faut être cohérent aussi dans nos propres questions. Okay. Le monde d'aujourd'hui a ses réalités. Les réactions face à ce monde ont leur réalité. Et je vais vous faire une petite confidence. Je ne changerai pour rien au monde parce que je pense véritablement être de la manière dont Dieu m'a créé, avec mes qualités et mes défauts. L'introspection, je la fais, pas pour faire plaisir à qui que ce soit ici, mais toujours pour être meilleur à chaque fois. Et j'essaye de... faire du mieux possible, en tout cas, pour que le peuple prenne conscience. Et je le vois au quotidien, je le vois sur les réseaux, je le vois dans la rue, partout où je vais. Il y a quand même une grande partie des gens qui se reconnaissent dans le travail que nous effectuons. Oui, Kémi Séba, parlant de l'objet de votre présence ici au Mali, dites-nous pourquoi Kémi Séba séjourne ici au Mali. Tourner, comme on le fait un peu partout, de sensibilisation sur les questions relatives au néocolonialisme, à la souveraineté, à la responsabilité aussi du citoyen, parce que le but n'est pas toujours... de dire que le problème c'est l'autre, oui. Mais aussi de se regarder dans une glace et de toujours tout faire pour essayer d'être meilleur, en prenant conscience aussi de nos forces et de nos faiblesses, d'accord. Et parce que aussi il y a une mobilisation le 20 janvier, et des membres de la plateforme Irebolo m'ont demandé de leur apporter mon soutien, oui. Pour aider à réunir les gens. Et donc même si c'est une décision souveraine de la population malienne de se mobiliser ce jour-là, ils ont estimé que ma présence serait un grand plus. Donc j'ai accepté de venir. Et à côté de cela, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans une campagne aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre la France-Afrique, elle est plurisectorielle. Il y a la question militaire, avec Barkhane évidemment qui est là. Et il y a aussi la question monétaire, avec le trucage, du maquillage du franc CFA déguisé en écho, même si ça ne trompe personne. Et on sait que l'écho aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'y revenir en détail avec grand plaisir, est malheureusement... un franc CFA customisé. Voilà. Ok. Sur les véritables motivations. Oui, sur les véritables motivations, on voit que sa visite est intervenue quand même dans une période assez critique. Hein, vous savez, avec tout ce qu'on dit autour de la force Barkhane et avec tout ce qu'on dit autour de la maladie également, est-ce que vous n'avez pas un problème derrière la conscience au cas, par exemple La conscience Oui, parce que je me dis que on a ce problème qui est là, la maladie, oui. Où vous allez rassembler beaucoup de monde durant ce jour-là peut-être. Mm-hmm. Et est-ce que... Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Les gens ne se réunissent jamais en dehors du 20 janvier qui arrive, là. Bon, en tout cas, le 20 janvier... Ton accusé aime trop poser des questions. C'est mon côté journaliste. C'est ta stratégie de départ. Comme je travaille à la télé. C'est pour ça. Mais en tout cas, la mobilisation attendue le 20 janvier intervient dans ce qu'on appelle, par exemple, parce qu'il y a une urgence... on est actuellement en état d'urgence sanitaire. J'espère que vous êtes au coup quand même conscient de cela. Il interdit les regroupements depuis le 100 Afrique, vous savez que depuis un an au Bénin, les regroupements sont interdits aussi. Donc, ça n'a pas empêché que ceux qui doivent se réunir. Il faut braver les lois nationales. Ça n'a pas empêché que ceux qui doivent se réunir se réunissent. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas l'organisateur de la mobilisation. On m'a appelé pour apporter mon aide. Si vous voulez vous attaquer aux organisateurs, attaquez-vous à vos concitoyens. D'accord. Maintenant, ce que je dis juste pour terminer, oui. Je le dis avec amour parce que j'ai l'impression que je vais tout faire pour faire durer encore plus l'émission, parce que j'adore ce genre d'exercice, en vous disant que, vous savez. Quand on est dans une situation injuste, immorale, il arrive un moment où les gens veulent prendre la responsabilité. C'est pas moi qui me lève en disant « sortez tous ». Il y a déjà un certain nombre de gens partout où je vais qui me disent « Kémi, on t'attend le 20, on t'attend le 20, on est là », avant même que j'ai parlé pour dire qu'il y avait une mobilisation le 20. Donc c'est la population malienne qu'il faut interroger sur cette question. Et la question de conscience, vous savez, on est dans une crise. Le nom de mon ONG, c'est « Urgence
panafricaniste. Okay. Je pense au pluriel, parce que la maladie principale, celle qui tue le plus en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, c'est la France-Afrique. On est en d'accord, mais actuellement, quand même, c'est surtout le Covid qui fait plus de... Moi, je constate depuis le... Qu'est-ce que les urgences panafricanistes font par rapport à cela? Vous savez, j'aimerais vous inviter, puisque demain, on va être en tournée en distribution de matériel médical pour notre ONG, comme on le fait partout en Afrique. Les gens vont croire que c'est moi qui vous ai demandé d'écrire cette question, tellement elle m'arrange. Parce qu'on va distribuer comme on le fait partout. C'est des choses que les médias retiennent moins, ça ne me dérange pas. Les médias retiennent souvent ce qu'ils appellent, ce que le frère appelait le buzz. Moi, je ne crée aucun buzz. Mon existence est ce qu'elle est. Ceux qui veulent en tirer l'expérience ou la substance qu'ils veulent, le font. Mais à côté de cela, des actions politiques, il y a aussi des actions médicales et sociales. Dans cette période de pandémie, aucune ONG africaine, je dis bien aucune, n'a distribué autant, dans autant de pays, de manière simultanée, du matériel médical, d'accord, que nous avons fait. Tous les médias, beaucoup de médias africains en ont parlé en 2020, et c'est ce que nous continuons à faire. Nous serons demain en distribution de matériel médical. Si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Ok, ça sur les véritables motivations. Voilà, derrière toutes ces urgences panafricanistes, là, il y a tout le temps quelque chose qui se casse, et l'accusé, il aime tellement poser des questions que de répondre. Oui. Mais maintenant, pourquoi... pourquoi vous n'intervenez pas en des périodes stables? C'est quoi la période stable? Période stable, là où il n'y a pas ce que nous vivons aujourd'hui actuellement. Mais j'étais là avant qu'il y ait le Covid au Mali, je ne vous ai pas entendu. Oui, mais vous étiez là. En quel moment du Mali vous étiez là, monsieur? C'est lorsque les gens avaient commencé à rentrer dans les grandes contestations contre le régime de Ibeka. C'est parce qu'il reçoit des invitations, certainement. Bon, première chose, mon cher grand frère que j'aime tant, vous êtes très mal informé. Parce que la première fois que je suis venu faire mes mobilisations politiques au Mali, c'était en 2015. Oui. 2015, il n'y avait pas encore les... 2015, c'est à quoi? À Guelph qu'on avait pris. Ça n'allait pas. Si vous voulez, je prends l'oreiller. On va le laisser terminer. Allez faire votre monologue. Allez-y. Donc, bref, voilà. Allez-y. Donc, ce que je dis juste. Non, moi, j'aimerais savoir, parce que ce n'est pas moi qui vous accuse. Vous m'expliquez. Kémy. Vous me direz quand je peux parler. Oui, non, c'est moi qui vous donne la parole. C'est moi qui vous pose la question. Il m'a déjà donné la parole. Posez votre question. Je vous pose les questions, vous répondez. Oui, allez-y. Si j'ai le temps de parler. Allez-y. Non, vous aurez le temps de parler. Parce qu'on a besoin de vos réponses. Je l'espère. C'était tout simplement, c'est pas moi qui vous accuse. Les gens vous accusent d'être là ou dans d'autres liens, en d'autres circonstances, que lorsqu'il y a instabilité. D'accord. Que répondez-vous à ces gens? Je réponds que ce genre de propos, c'est les propos que généralement l'ambassade de France sort à chaque fois que je suis dans un déplacement politique. Et je trouve qu'il y a un drôle d'écho entre ce que dit l'ambassade de France et ce que vous dites là. Je vous en laisse la responsabilité. Je vous dirais que je vais partout en Afrique. Moi, je ne vais pas systématiquement en période de crise. Mais non, il se trouve que l'Afrique francophone est dans une période de crise depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas commencé avec le Mali, ça n'a pas commencé avec le Covid, ça n'a pas commencé avec le départ d'Ibeka, ça n'a pas commencé avec Barkhane, ça n'a pas commencé avec la destruction de la Libye. Ça fait un certain nombre d'années que la France-Afrique, comme le disait un blanc, un toubab, François-Xavier Verschave, la France-Afrique existe depuis très longtemps. Et la France-Afrique est une crise sociale, politique et économique, pour citer son nom. Alors si vous voulez, on peut éviter d'agir quand il y a la crise, quand notre population est ostracisée de manière économique, de manière politique, quand notre population est asphyxiée, d'accord, et vit en état d'assistance perpétuelle vis-à-vis des mamelles occidentales qui, dans le même temps, pillent nos ressources minières et de manière générale, on peut faire ça. Et puis, il y a une autre génération de personnes, d'Africains, d'accord, qui estiment qu'en période de crise, il est temps d'arrêter de demander l'aide de l'Occident et de s'organiser nous-mêmes. C'est ce que nous essayons de faire. Et on a face à nous... Et c'est un petit peu ce que disait, je n'ai pas envie de me tromper sur l'auteur, mais en tout cas je me souviens de son exemple, il dit, vous savez, quand vous menez ce combat contre le néocolonialisme, vous avez besoin de vos deux mains. Une main pour repousser le néocolonialisme qui est devant vous, et une main pour repousser derrière vous vos frères africains qui vous tirent, qui vont vous poignarder dans le dos quand vous essayez de les défendre. Okay. C'est une réalité que je d'accord, connais. D'accord, mais c'est pour le médecin qui m'a pas terminé les années. Oui, mais je suis imperturbable. Oui. Et ce n'est pas ce genre de choses. Non, vous n'êtes pas là pour vous perturber. Non. C'est-à-dire, je vais vous mettre à l'aise en vous disant, Kémy, on va vous mettre à l'aise en vous disant que je suis très à l'aise. Non. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour être auditionné à charge, mais à décharge aussi. Dites-vous que nous vous donnons l'occasion pour répondre à certaines questions. Certaines récriminations qu'on entend ça et là. Je vous réponds en vous disant que, vous savez, moi je suis venu ici toujours dans le même logiciel qui est le mien. Contribuer à l'éducation politique des autres. C'est tout. Je ne réponds à aucune charge, aucune décharge. Je me prête au jeu parce que je sais qu'on a dit que c'est un tribunal. Ouais, c'est une parodie des voilà, jugements. Voilà, donc on accepte. Ouais. Et je sais que j'ai en face de moi des interlocuteurs qui m'intéressent, d'accord, et que certains je découvre. Et donc c'est l'occasion pour moi d'échanger. Mais vous savez, il y a des personnes qui sciemment
ne veulent pas comprendre, quand le monde entier comprend. Je vais en Amérique du Sud, je vais au Moyen-Orient, je vais en Europe de l'Est, je vais dans différents endroits en Afrique, je vais en Asie. Tout le monde comprend, parfois sauf certains Africains, oui. Mais une grande partie d'Africains comprennent. Et c'est ça le plus important. Kémy, vous l'avez dit, vous séjournez ici à l'appel du Yéréolo Débou. Leur objectif, c'est de réclamer le départ des troupes étrangères du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel de nos armées sahéliennes, est-ce que vous pensez que cette demande est réaliste dans le contexte actuel? Vous savez, si vous remarquez bien, mon allocution... Allez-y, il termine. Peut-être une précision. Vous allez faire une réaction, allez-y. Mon allocution, depuis que je suis arrivé, a toujours été de dire que j'accompagne des gens qui m'ont invité. Oui. Mais on est tous des adultes, hein, peut-être des pères de famille. Oui. On est tous des gens responsables et on sait que ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est comme des gens qui, en n'étant même pas sur le terrain, disent à tout le monde « Ouais, il faut envahir l'ambassade de France, etc. » Les gens qui lancent ces appels-là sont souvent cachés en Europe. Moi, je suis sur le terrain et je sais la réalité des choses. Je sais ce qui est possible, je sais ce qui n'est pas possible. Je sais que ce n'est pas en un coup de baguette magique que l'armée française va partir. Mon souhait est que l'armée française parte. Et je sais que si l'armée française part, alors qu'elle sait très bien qu'elle a contribué, ça ce sont mes mots et mes responsabilités, à l'organisation du chaos, parce que la destruction de la Libye, ça ne s'est pas fait par un coup de baguette magique, il est évident que si elle part tout de suite, il faut qu'il y ait une entité qui puisse la remplacer pour seconder l'armée malienne qui a été sous-armée pendant trop longtemps. Et j'ai dit hier dans une chaîne concurrente, et je le redis aussi ici, que si l'armée française part, il y a beaucoup de gens qui lancent un appel à la Russie. Moi, je connais très bien la Russie. J'y ai été très souvent. J'irai peut-être encore l'année au cours de cette année. J'ai de nombreux amis dans l'appareil de l'État, clairement. Oui. Mais je dis que si elle nous aide, il faut qu'elle nous aide temporairement. Mais il ne faut pas qu'on soit naïf. Parce que l'Afrique ne s'en sortira de toute façon à long terme que par elle-même. Et personne ne vient vers l'Afrique avec une rose à la main. Chacun veut une ressource. Personne ne doit être naïf. Et donc c'est pour ça que pour répondre et pour conclure ma réponse à votre question, je pars du principe simplement que notre volonté est que l'armée française parte. Parce qu'on ne peut pas demander à une personne qui a contribué au chaos de venir faire maintenant le médecin. Donc il faut qu'on soit aussi rationnel. Surtout que quand les autorités demandent à parler avec les entre guillemets rebelles, d'accord, c'est l'armée française qui elle-même refuse ce dialogue. Elle sait pourquoi. Les djihadistes surtout. Oui, moi, vous savez, le terme djihadiste, djihad, c'est quoi? C'est effort suprême contre soi-même. Je suis un peu mal à l'aise avec la terminologie Made in France. On va dire terroriste. Voilà, terroriste. C'est déjà un petit peu plus adéquat à mon sens. Les autorités veulent parler avec les terroristes. Les autorités françaises ne veulent pas. Pourquoi? Il y a des questions de fond qu'on peut se poser, on peut réfléchir longuement dessus. Et les autorités françaises ne veulent pas, mais quand elles ont voulu libérer leurs ressortissantes, elles ont parlé avec l'armée, avec les terroristes en tant que tels. Donc vous voyez un petit peu, il y a un certain nombre de mécanismes, et on se dit qu'il faut que l'armée française parte. Oui. Est-ce qu'elle partira mercredi? Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas naïfs, je ne crois pas à l'histoire du grand soir. Je crois que l'histoire est une addition de différentes séquences qui, au bout d'un moment, permettent le départ. Et j'espère qu'on contribuera à cette réalité-là. Le but, c'est de rassembler une masse critique. D'accord ? C'est pour ça qu'on m'a fait venir. Et faire en sorte que ça puisse continuer à contribuer à accentuer la volonté de faire partir l'armée française. Il y aura des partenaires qui vont remplacer l'armée française. Et je demande à la population malienne et africaine de manière générale, soyons attentifs à ne pas chasser un colon pour en prendre un autre. C'est tout ce que je dis. Voilà, donc c'est surtout la question qui me dérangeait un peu, parce que les gens disent d'accord, on va chasser l'armée française, mais on veut la faire remplacer par les Russes. Vous voyez, donc ça me met un peu mal, remplacer un colon par un autre. J'ai répondu, hein, n'est-ce pas ? Voilà, voilà. Donc là c'est répondu. Mais dans vos propos, j'ai comme l'impression que vous êtes trop focalisé sur le cas de la Libye, alors que les problèmes que les Africains connaissent, je pense que c'est un peu antérieur à ce problème de la Libye. Certainement, le chaos a été créé en Libye pour des raisons personnelles, mais ça ne veut pas dire que c'est le point qui nous a un peu mis dans cet état-là. Donc, pourquoi cette fixation sur le cas libyen? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai pas envie de citer les hauts responsables politiques maliens actuels qui tiennent ce discours que je tiens. Parce que vous vous doutez que quand je parle du Mali, je n'en parle pas en me levant un matin après avoir mangé mon petit déjeuner. Je parle avec des hauts responsables qui vous disent que ce qui s'est passé en Libye, des hauts responsables actuels qui vous disent que ce qui s'est passé en Libye a grandement contribué, même si ce n'est pas la seule raison, à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est exactement mon propos. Je dis que ce n'est pas la seule raison, mais nier que la déstabilisation de la Libye a déstabilisé le Sahel,
J'ai envie de vous dire que même le pompier pyromane qui est l'oligarchie française, elle-même le reconnaît. Donc je veux bien qu'on crée des débats, mais je veux aussi qu'on puisse regarder les choses en face. Maintenant, je répète et j'insiste, ce n'est évidemment pas la seule raison. Il y avait des conditions sous-jacentes, et c'est de ça dont vous parlez. Parce qu'on dit toujours une chose, une civilisation est détruite par l'extérieur, que si elle est déjà rongée de l'intérieur, il y avait un certain nombre de problèmes à l'intérieur de la nation malienne. Personne ne va nier cette réalité-là, mais je dis que ces problèmes ont été hystérisés, hyperbolisés, par justement la crise libyenne. Voilà. Okay. Allez-y. Voilà. En écoutant au départ ce jeune accusé de perturbateur, d'anarchiste, mais après l'avoir écouté, on te voit parce que le libérateur, et le secouriste, l'urgenciste. Alors, quelle est l'alternative que vous proposez à ce jeune qui sera avec vous le 20, qu'après avoir chassé l'armée française, quelle est l'alternative ? Déjà, je tiens à préciser, mon cher grand frère, que je ne suis le libérateur de personne si ce n'est de moi-même. Et je ne suis le leader de personne, si ce n'est de moi-même. Il se trouve que Dieu a fait en sorte que ma voix puisse porter auprès de beaucoup de gens. Ça, c'est une réalité que je ne veux pas nier. Ça serait hypocrite de le faire. Mais je suis le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Je refuse, parce que l'Africain aime trop cette histoire de leadership, de pseudo-mésianisme acquis de certaines religions, ou de certaines cultures plutôt extérieures. Moi, je suis un frère, un porte-voix qui peut être un catalyseur sur un certain nombre de points. C'est important de le préciser. Maintenant, pour aller au fond de votre question, moi, je viens clairement, quand je parle de tournée de sensibilisation sur les réalités du néocolonialisme et sur la nécessité du souverainisme, pour rappeler à la population que oui, il faut que l'armée française parte. C'est une évidence et je pense qu'on est aujourd'hui très nombreux à le souhaiter. Et je vais même vous faire une confidence, mais je pense que vous le savez, vous êtes journaliste comme je le suis. Aujourd'hui, une majorité de la population française veut le départ de l'armée française du Mali. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est partagé par énormément de gens, y compris en France. Maintenant, à côté de cette réalité-là, quand vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je répondais à la question du frère, quand vous voulez qu'une armée, entre guillemets, puissante parte, il est important qu'il y ait une alternative qui soit présente. Cette alternative, je l'ai dit, il y a un certain nombre de partenaires qui se veulent une force de proposition dans cette situation au Mali, au Sahel. Il y a des entités, il y a la Russie, il y a la Turquie, etc. Et j'insiste dessus parce que je vois des envolées lyriques, des gens qui disent « Oui, c'est bon, on dégage la France, mais non, c'est la Russie, c'est Poutine ou rien. » Et je dis « Je connais la Russie de l'intérieur. » J'ai dû aller ces dernières années plus d'une cinquantaine de fois à Moscou, Saint-Pétersbourg. Je suis ami avec parmi les plus puissants des autorités russes qui apprécient mon travail. Et je peux même vous faire cette confidence. Ils apprécient mon travail et ma force de mobilisation. Mais les Russes n'aiment pas quand les Africains leur disent non. Oui. Il y a des choses qui m'ont été demandées en termes de quasiment d'agir comme un aide téléguidé. Moi, j'ai dit, je ne suis téléguidé que par Dieu. Et jamais quelqu'un va me dire ce que j'ai à faire. C'est mon côté peut-être perturbateur pour reprendre vos propos. Okay. Mais je suis un Africain souverain. Pas moi. Et des détracteurs, oui, oui, mes détracteurs, ils sont grands comme une cabine téléphonique ou comme une tasse de thé. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est... je termine juste par là. Oui. Après, je vous redonne, je vous laisse la parole parce que c'est vous le tribunal, allez-y. Moi l'accusé. En vous disant simplement que mon rôle est d'éduquer la population en rappelant que l'alternative est nécessaire, mais que l'alternative n'est pas une finalité. La finalité, c'est nous-mêmes. C'est notre propre... ontologie, c'est notre propre paradigme politique, c'est notre propre souveraineté. L'Afrique, en nombre, en ressources humaines, a aujourd'hui une richesse que la plupart des gens dans le monde n'ont pas. Notre problème, c'est qu'on n'est pas capable de nous faire confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle de l'armée malienne. J'ai été choqué de voir parfois dans la diaspora malienne des gens qui se moquent tout le temps de l'armée malienne en disant c'est l'armée la plus nulle d'Afrique. Quand on est capable de se dévaloriser entre nous, il ne faut pas attendre que les autres nous respectent. C'est okay. Comme les gens qui parlent lutte contre la négrophobie, mais nous-mêmes, entre nous, on est capable de se haïr de manière perpétuelle. Okay. Donc, je dis, l'armée malienne a été sous-armée face à des entités qui sont surarmées par les mêmes entités qui donnent les bons points et les mauvais points. Je pense qu'il faut avoir un rééquilibrage sur ce terrain-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dis, l'alternative est nécessaire. La Russie, sans doute, peut-être pas que elle, parce qu'il faut multiplier les cartes. Mais attention à ne pas finir incarcéré dans ce partenariat qui peut se transformer en néocolonialisme sur une vie pas. Ok. Et M. Sewa, depuis la tenue du sommet de Pau l'année dernière, on a l'impression au Mali que la fièvre anti-présence de l'armée française est en perte de vitesse. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de prêcher dans les déserts? C'est faux, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le sommet de Pau, le gouvernement français, l'élite française, un petit peu comme un Macron qui parle à ses employés,
a tapé du poing sur la table, et moi je l'ai vécu de plein fouet, puisque des gens, des présidents qui m'aiment beaucoup à la base, je ne vais pas citer trop de noms, mais comme au Burkina Faso par exemple, dès lors que le gouvernement français a tapé du poing sur la table, ils ont montré les crocs, les mêmes qui me proposaient à une certaine époque des postes de conseiller par rapport à la jeunesse, parce qu'ils estimaient que j'étais plus écouté par leur jeunesse que eux-mêmes sur un certain nombre de points. Je ne rentre pas dans des détails. Et donc je vous dis simplement que cette pression a été perçu comme une très grande menace par la plupart des dirigeants de la sous-région. Mais quand vous allez dans la rue, là, la pression n'est pas retombée. Hein. Les gens sont toujours dans cette démarche de se dire qu'ils veulent le départ de l'armée française. Et je dis toujours, il y a un bon sens populaire. À côté de ce bon sens populaire, maintenant, ce qu'il faut, c'est une intelligibilité et une compréhension des enjeux. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, c'est quelque chose que je dis tout le temps, si on lit un minimum mes ouvrages et si on connaît ma pensée, je dis qu'on ne peut pas simplement dire l'autre part. Il faut être capable de préparer un plan de sortie. Le plan de sortie, c'est que si vous voulez telle part, vous devez être capable d'avoir la certitude qu'un partenariat au moins aussi fort logistiquement puisse vous accompagner et que vous puissiez déjà penser au plan B, qui sera que lorsque vous serez avec ce nouveau partenariat, vous pourriez avoir un plan de sortie lorsque tout cela sera fini. Parce que vous voyez, en Syrie, la Syrie, par exemple, dans l'accord avec la Russie, c'est la Russie et l'Iran, qui ont deux pays que je connais très bien, qui ont contribué à sauver la Syrie, qui sinon aurait été complètement détruite grâce à l'aval des nations occidentales. Eh bien, Bachar al-Assad n'a pas payé un certain nombre de choses, un certain nombre de points. Les mêmes médias d'un pays partenaire, je ne vais pas citer ce pays, ont commencé à l'attaquer, ont commencé à le discréditer parce qu'il n'avait pas payé un certain nombre de choses. Donc les partenariats, là, il faut faire attention. Il faut être très alerte. Et je dis, parce que moi, je suis dans une ligne non alignée, pour avoir connu, compris, je voyage partout, je vois les choses de l'intérieur. Il y a des gens, c'est Roménie qui disait, ni de l'Est ni de l'Ouest, nous sommes nous-mêmes. Mais c'est quelque chose que moi, je m'adapte par rapport à ma réalité. Nous sommes des panafricanistes. Ni l'Occident, ni l'Est, ni autre, etc. Maintenant, on peut prendre des partenariats, mais soyons très attentifs. Et je dis ça, je sais qu'Alexandre Douguine, l'un des conseillers de Vladimir Poutine, qui regarde souvent mes émissions, ne m'en voudra pas de dire qu'on peut être des partenaires, mais on doit être prudent. Okay. Et moi, je suis prudent parce qu'on sait comment on s'est fait rouler pendant trop longtemps. Allez-y. Voilà, donc moi, j'ai aussi une petite préoccupation. C'est-à-dire que quand j'entends souvent les gens parler, j'ai dit, est-ce que quelque part il n'y a pas une sorte de... Est-ce qu'il ne se retrouve pas quelque part dans les pensées ou bien plus loin? On a vu une certaine tendance demander le départ de des militaires français. Les terroristes aussi, quand ils attaquent, quand ils revendiquent, ils demandent aussi le départ des militaires français. Oui. L'opinion française également, vous venez de le rappeler, et ça a été dit, je crois, dans le journal Le Point, on a vu également une grande partie de l'opinion dans un sondage qui demande aussi le retrait des troupes françaises. Est-ce que quelque part... Il n'y a pas une connexion... Quelque part. Non, moi je pense que la seule connexion qu'il y a, c'est la connexion du bon sens populaire. Vous savez, quand vous voyez des gens braqués, volés, pillés, toute personne dotée de raison, quelle que soit sa couleur de peau, à un moment donné, on a marre. Mais ça ne vous dit pas que les terroristes aussi aient la même exigence que toutes ces bonnes volontés-là? Vous savez, voilà. Les terroristes, moi je fais partie des gens qui pensent que chaque individu avance avec des motifs qui peuvent être perceptibles comme bons ou mauvais en fonction du côté du manche où on se place. Et il est évident que je ne partage pas leur opinion de ces terroristes, c'est évident. Maintenant, ils se sont levés, ils ont leur réalité, ils sont contre l'Occident. Il y a un constat qui est général aujourd'hui. Partout où je vais dans le monde, l'Occident pose problème pour la plupart des populations que je rencontre. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que l'occidental, de manière générale, doit être coupable ou doit être astreint à la résidence de la culpabilité ou de votre jury. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous êtes blanc que vous êtes mauvais et ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes bon. Les choses sont plus complexes que ça. Mais l'Occident, en tant que système politique, et même pour reprendre les propos de René Guénon, en tant que démarche métaphysique, l'Occident est un problème pour l'être humain dans sa globalité, parce que partout où l'élite occidentale est allée, elle a mis la planète à feu et à sang. Et c'est pour ça que même au sein de leur population, les gens sont fatigués de la présence française notamment et occidentale sur les terres, des terres où ils n'ont rien à y faire. Ils viennent garder, soyons logiques un minimum, ils disent qu'ils viennent assurer la sécurité du Mali, ce qui me fait doucement rire. Dans le même temps, une personne, deux personnes sont capables de venir avec un couteau, avec un fusil, ils sont capables de terroriser un pays. Après, on dit que c'est a posteriori, à titre posthume, on dit que c'est Al-Qaïda ou Daesh ou je ne sais pas trop quoi. Donc, vous n'êtes pas capable de protéger votre pays, mais vous voulez protéger les intérêts d'un pays qui a des enjeux bien plus grands. Arrêtons la naïveté. Je veux dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, tout le monde sait que la France, et même, je crois que c'était Arte, j'avais vu un reportage magnifique dessus, même les Européens savent que la France est là pour sécuriser
les ressources sur un certain nombre de points. C'est comme ça qu'ils font. Et je tiens à préciser. Mais est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques points d'avancée de plus? Bien sûr, non, mais très concrètement, par exemple, l'or, que ce soit même l'uranium à la frontière du Niger, l'or, il y a un certain nombre de ressources en or qui ont été trouvées aussi au Mali, on le sait, pas loin de Kidal, jusqu'à preuve du contraire. Il y a aussi des zones pétrolifères qui ont été trouvées et que l'élite française voit d'un très bon œil sur un certain nombre de points. Les ressources que sont l'uranium, l'or, le pétrole, vous savez que ça change une vie. Ça va vous transformer la Roumanie en un Qatar ou en un Dubaï. Donc tout le monde veut ces ressources-là. Sauf que nous n'avons pas la preuve, effectivement. Nous, on n'a pas la preuve, c'est bizarre, mais eux l'ont. Parce que c'est les médias français qui vous disent qu'il y a ça. Mais comme nous, on est. En fait, c'est ça la réalité de l'Afrique. Pour certains, pas pour tous, par la grâce de Dieu. On est un aveugle assis sur un banc en or massif qui fait la manche et qui croit qu'il est pauvre. Et les gens qui nous donnent des miettes dans nos mains sont des gens qui contribuent à prendre les éléments du pont sur lequel nous sommes assis en or massif. C'est ça la réalité de l'Africain. Comment vous pouvez expliquer, mon cher frère, mes chers frères que j'aime tant, que les médias français eux-mêmes, qui n'ont aucun intérêt à dire cette réalité, aucun, mais ils le disent parce que parfois ils ont une once de lucidité. Arte, qui dit qu'il y a ces ressources-là aujourd'hui, issues de tous, l'or, l'uranium à la frontière du Niger, le pétrole, et dans le même temps, on a des Maliens qui vivent dans ce pays, qui disent on n'a pas de preuves de ça. D'accord. Mais c'est le résultat de ce qui se passe depuis trop longtemps. L'extérieur connaît parfois beaucoup plus nos richesses que nous-mêmes. Okay. Et c'est aussi parce que peut-être, là on peut se questionner sur le terrain paradigmatique, peut-être parce que le côté matériel et le côté de ressources minières en tant que telles, c'est une obsession pour certaines régions du monde, peut-être moins pour nous. Mais il serait temps qu'on peut-être on soit dans une démarche de beaucoup plus étudier la richesse de nos sols, parce qu'il n'est pas acceptable que ce soit toujours l'extérieur qui voit les choses, qui crée des conflits, et nous qui soyons en train de nous dire on ne comprend pas pourquoi ils sont là. Peut-être sont que là nous ne sommes pas dans les mêmes degrés d'information que vous, allez-y. C'est possible, c'est très possible. La question que j'aimerais poser au jeune Kimi Seba, il y a de cela une année, vos dirigeants africains, plus précisément maliens, burkinabés. Vos, c'est pas les vôtres? Non, si, moi en tant que journaliste. Ah, mais je le suis aussi. D'accord, c'est vous qui êtes à la barre. À la barre. Voilà. Et c'est à vous qu'on me pose des questions. Ils ont été appelés à clarifier leur position il y a de cela une année. À Pau. Pensez-vous pas qu'il ne vous est pas facile et de vous adresser directement à vos dirigeants que de vous attaquer à des gens qui prétendent venir vous aider? Parce que vous pensez que je ne l'ai pas fait. Vous pensez que je ne l'ai pas fait. Quelle a été la réponse? Si je suis ici, c'est que la réponse est une réponse en mode bégayage, en mode bégaiement, en mode balbutiement. J'ai été mis en prison par quelqu'un qui voulait travailler avec moi peu de temps avant, peu de temps, quelques semaines après la conférence de... Parce que c'est cette question que beaucoup de gens se posent. Je ne sais pas si beaucoup se la posent, mais je vais vous répondre quand même. Ouais. En vous disant, chers frères, qu'il y a des dirigeants qui sont terrorisés. Je le sais. Vous sortez pour les aider. Je parle avec la plupart des... j'ai pas envie de mettre certains en difficulté, mais avec beaucoup des directeurs des cabinets de la sous-région, de hauts responsables de la sous-région. Vous seriez surpris de voir le nombre de gens qui suivent le travail politique que j'effectue. Vous serez très surpris. Vous savez, le petit perturbateur dont vous parlez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que je puisse les aider à drainer la jeunesse. Vous n'avez pas aimé ces mots-là, j'espère. Oh non, j'adore. Moi, vous savez, je suis un disciple, n'exagérons pas, mais je suis un poursuivant de... En Médounetière, on dit Chemchou, poursuivant d'eux, un Chemchou Tupac. Tupac a été un parapluie pour mon âme quand j'étais adolescent. Il a été présenté comme perturbateur. Vous savez pourquoi? Parce qu'un noir qui s'assume dans les temps contemporains, c'est un noir qui est considéré comme une perturbation. Parce que le noir doit être soumis, le noir doit être assigné à la résidence de la soumission. Et dès qu'il se redresse, qu'il lève le menton vers le ciel et qu'il dit que personne ne peut l'impressionner ou le perturber, quelle que soit sa couleur de peau, on dit que c'est un perturbateur. Donc j'adore ce qualificatif, ça ne me pose aucun problème. Ok, monsieur Kémy. Ma question n'a pas été répondue. Parce que c'est le fait de savoir qu'ils sont soumis, peut-être. Est-ce que vous, aujourd'hui, sur ces plateaux, vous reconnaissez que donc c'est vos dirigeants qui se cassent derrière vous pour vous pousser à l'intérieur? Ah non, absolument pas. Ah non, absolument pas. C'est Kémy Seba qui... Alors pourquoi vous ne nous attaquez pas à eux-mêmes? Que c'est vous qui avez signé. Il y en a de vos frères au Mali qui disent qu'on a fait venir la France sous la transition. La France est venue sous la transition. Il faut que la France parte sous la transition. Pensez-vous que ces dirigeants sont toujours terrorisés? Et c'est vous qui êtes les boucliers? Je peux répondre? Allez-y. Oui. Je vais bientôt lever le débat. Allez-y. Pour répondre. Allez. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'il y a rarement plus virulent
ou offensif que moi contre les dirigeants d'Afrique francophone, parce que je dis toujours ce proverbe, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Nos responsables devraient être des parapluies qui nous protègent des intempéries, et nos responsables sont aujourd'hui des gruyères, c'est-à-dire des parapluies trouées qui laissent la pluie nous toucher, nous blesser et nous rendre malades. La pluie se nomme le néocolonialisme, ça se nomme le terrorisme, se nomme un certain nombre de qualificatifs, et nos dirigeants ne jouent pas leur rôle. Donc penser que moi je suis le bouclier de... Non, je suis le bouclier de ceux qui aiment l'Afrique. Je suis un des boucliers, des petits boucliers. Petit bouclier d'1m84 qui aime l'Afrique. Et ces personnes-là se trouvent aussi bien au sein du prolétariat qu'au sein des élites. Mais non, les élites ont un rapport schizophrène avec moi. C'est-à-dire qu'elles me craignent. Moi, je suis interdit de rentrer dans 4 pays à l'heure actuelle. Et en même temps, elles envoient leur dire-cab pour parlementer avec moi. Certains, parfois, m'ont proposé des valises qui n'ont pas eu satisfaction sur ce terrain-là. Certains m'ont demandé de travailler avec eux, etc. Mais je suis un homme autonome. Et j'ai un grand problème, c'est que je ne respecte... les ordres de personne, si ce n'est de Dieu. Ok, d'accord. Kémy Séba, certains Maliens quand même ont été surpris de vous voir entrer au Mali sans grand bruit, contrairement à ce que vous avez vécu sous le régime Ibeka. Est-ce que vous, quel rapport vous entretenez avec les autorités actuelles? Alors déjà, de un, c'est stratégique. Vous savez que généralement, j'annonce toujours ma venue. Comme ça, toutes les personnes qui veulent me recevoir me reçoivent. Et la petite peur des militaires? Ah non, j'ai peur. C'est vraiment mal me connaître. Allez-y. Mais... quand vous êtes interdit de rentrer dans divers pays, comme c'est mon cas, quand à chaque fois que vous prenez l'avion, vous ne savez pas si vous allez être arrêté à la descente de l'avion, ça vous donne envie peut-être... De changer de stratégie. Pas de changer de stratégie, mais de diversifier les modalités d'action, on va dire ça comme ça. Et n'oubliez pas qu'un an, jour pour jour, j'étais interdit de prendre l'avion à Cotonou. J'avais acheté mon billet cher en plus, première classe. J'étais interdit de prendre l'avion, d'accord. Et clairement... Ces voyages-là sont financés par qui? Comment ? Ces voyages-là ? Mais c'est pas un secret, j'ai énormément de footballeurs qui m'apprécient. Je suis à côté de ça un entrepreneur, je suis propriétaire d'un centre commercial à Cotonou que je vous invite à visiter dès que vous le voulez. C'est un centre commercial de produits 100% bio africains. Donc je suis un entrepreneur, je travaille à la télévision, j'ai mes activités, j'ai mon ONG qui est financée par de très nombreux footballeurs et sportifs de haut niveau qui, dans cette génération, se sont très nombreuses à reconnaître dans le travail politique que j'effectue. Ok, pour revenir à ma question. Même pas de tabou. Donc, on en était où? Parce que les questions fusent de non, toutes parts. Non, non, c'était de voir comment vous êtes venu dans la clandestinité. Donc, pas dans la clandestinité, parce que j'avais annoncé sur ma page officielle que je serais là du 17 au 22. Volontairement, je suis venu avant. Je suis venu le 15 pour un petit c'est peu... C'est stratégique. Oui, aussi. Et mon objectif était de rentrer, cette fois-ci, de ne pas être interdit. Parce que vous savez, c'est très frustrant quand il y a beaucoup de gens qui vous aiment dans un pays et que vous êtes interdit de rentrer. En Guinée, par exemple, je suis énormément suivi. Je n'ai même pas eu l'occasion de fouler le sol guinéen, parce que j'étais venu pour parler de la corruption de nos élites. Et dès que M. Alpha Condé entend corruption de nos élites, il commence à stresser. Et donc, il a envoyé des militaires à l'intérieur de l'avion, avec des grands fusils, etc., en disant « Monsieur Kémy Séba », je fais « Oui, c'est moi ». Vous n'êtes pas autorisé à fouler le sol guinéen. Vous savez, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça me malade. Après, vous diversifiez. C'est pour ça que, par exemple, en Côte d'Ivoire... Annoncé le 17, vous êtes arrivé le 15. Oui. Voilà. Côte d'Ivoire, je suis parti par la voie terrestre. J'ai même pris la pirogue entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. On est obligé. C'est la résistance. C'est le maquis version 21e siècle. Qu'est-ce que vous pensez de ces autorités actuelles-là? Alors, ces autorités actuelles, moi, je pense... Il a des amis. Elles sont vraiment protéiformes. Parce que dans ces autorités, il y a différents courants. Il faut qu'on soit aussi objectif. Il a beaucoup d'amis parmi eux, peut-être. Pas plus qu'autour de ce plateau, mais peut-être que... Oui, j'en ai partout en Afrique. Des amis, ça, c'est une réalité. Oui. Il y a des gens parmi eux qui m'aiment énormément. Il y a des gens parmi eux qui sont indifférents, non, mais très prudents. Oui. Parce qu'ils connaissent ma radioactivité politique. Et il y en a parmi eux qui sont plus proches de faire des compromissions avec l'élite occidentale. Mais globalement, oui, il y a une réalité qui est qu'il ne faut pas oublier la pression à laquelle est confrontée... Donc vous êtes là pour les aider? Mais je suis là pour aider l'Afrique, je ne suis pas là pour aider les hommes. Je suis là pour aider le continent africain, et pas que moi. Nous tous, j'espère. Et donc, ce que je constate, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont eu un grand courage de chasser Ibeka. Je fais partie de ceux qui disent gloire à Dieu, même si ça va heurter certaines personnes. Mmh. Et je termine juste en disant que après, ils ont eu une pression internationale incroyable, y compris de leurs pairs, qui leur ont soumis un agenda qui dépassait l'entendement. Mmh. Et ils savent très bien qu'à la virgule près, ils vont bégayer sur l'agenda qui leur est imposé.
les fusibles vont sauter. Donc ils sont dans une situation qui est difficile. Oui. Moi, personnellement, je sais que je ne ferai pas ce qu'ils font, mais je ne peux pas me lever et leur tirer des flèches gratuitement comme ça, parce que je sais la complexité dans laquelle ils sont, à laquelle ils sont confrontés. Vous savez, quand on a l'occasion de voyager partout, comme je le fais, ou de rencontrer des responsables politiques partout dans le monde, vous comprenez que la réelle politique, ce n'est pas simple. Et il y a les envolées lyriques, et puis il y a le pragmatisme. Moi, je dis clairement, je veux le départ de la base Barkhane, des autorités françaises, parce que c'est une présence coloniale, je le dis. Maintenant, je sais qu'à l'intérieur des autorités, il y a des gens qui pensent comme moi, mais qui ne peuvent pas dire comme moi. Oui. C'est tout. Donc, je pense qu'on peut le dire aussi. Allez-y. Merci. Oui, bon, maintenant, je vais revenir à une question beaucoup plus, peut-être, une question qui n'a rien à voir avec surtout le volet militaire, avec surtout le volet colonialiste. Mais je vois, par exemple, vous dites que vous êtes une ONG qui parle surtout des urgences panafricanistes. Et nous, nous avons des fléaux sur lesquels nous sommes confrontés. L'éducation, c'est quand même un grand problème chez nous. Et on sait souvent que les populations, parfois, en ignorant un sujet, ils peuvent totalement adhérer ou pas. Hein? On a également des problèmes de santé. Hein? Donc, il y a d'autres urgences plutôt qu'à chaque fois d'indexer l'Occident ou bien... Est-ce que c'est la seule chose que vous retenez de notre travail? Non, 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 ce n'est pas la seule chose. Mais je veux parler de stratégie. Parce que jusqu'à présent, nous ne vous voyons pas assez sur ce terrain. Alors, peut-être que vous le faites, mais ce n'est pas le côté qu'on médiatise le plus. Pourquoi est-ce que c'est le... On arrive à quelque chose de très important. Voilà, voilà. Donc, par rapport à cela, j'ai encore une autre préoccupation. Est-ce que je peux répondre à celle-là? Sinon, je risque d'oublier. Non, vous n'allez pas oublier parce que c'est une question qui va dans l'une dans l'autre. L'autre question, c'est est-ce que vous avez, dans votre stratégie, pensé à écrire, pas seulement à écrire des livres pour parler de le panafricanisme, le système colonial, non, mais véritablement à faire une étude, montrer combien les Africains sont fatigués de ces problèmes et combien c'est eux-mêmes qui doivent prendre en charge leur propre problème avant d'attaquer l'autre. Voilà. Je vais répondre par la fin et commencer par le début de votre question. Je suis très embêté parce que vous n'avez pas lu mes livres, parce que ce dont vous parlez, c'est exactement ce dont je parle, notamment dans l'un de mes livres les plus vendus, qui est L'Afrique libre ou la mort, où je dresse un constat des mots, M-A-U-X, que connaissent nos populations, parce que je dis toujours qu'avant d'indexer, c'est pour ça que je pense que vous ne comprenez pas forcément mon combat, avant d'indexer l'extérieur tout le temps, il faut qu'on se regarde dans une glace et qu'on voit nos défauts intérieurs qui sont très nombreux, et je m'inclus, on s'inclut tous dedans parce que personne n'est parfait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mon cher frère, c'est que, vous savez, je pense que vous avez peut-être une vision, et je ne peux pas vous en vouloir, hein, parce que aussi, c'est comme ça que certains médias agissent. Ils aiment buzzer certaines choses et ils aiment taire d'autres choses, qui montraient encore plus la densité, l'intensité de ce qu'on fait. Pourtant, l'année 2020 était l'année où le plus grand nombre de médias, que ce soit médias occidentaux ou africains, ont couvert nos actions sociales, les actions sociales de l'ONG Urgence Panafricaniste, les actions sanitaires sur le terrain du Covid. On a lancé des formations quand même en agroalimentaire. Je pense que c'est très important de le dire, des formations gratuites, parce qu'on dit que plutôt que d'attendre que le boulot, la biscotte ou la tchéquée tombe du ciel, il faut qu'on soit capable de cultiver notre propre manioc et de nous faire à nous-mêmes à manger. Oui. On est dans cette dynamique-là, on crée de l'emploi, on a lancé un programme de microcrédit sans intérêt qui s'appelle Alodo. Alodo, dans ma langue, ça signifie l'entraide, grâce à l'aide et au soutien de nombreux footballeurs qui croient au travail que j'effectue et de différents partenaires qui croient au travail que j'effectue. Donc, quand je vous entends dire qu'on n'est que dans l'indexation de l'Occident, je dis que vous êtes mal informé. Oui. Et si je savais que vous alliez parler de ça, je serais venu avec une pile d'articles de presse qui montrent tout ce que l'on fait sur le terrain social. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Urgence panafricaniste a été créée lors de ma deuxième peine de prison en 2014. En tout cas, l'idée est venue dans ce sens-là. J'en parle dans mon deuxième livre, Black Nihilisme. Et l'objectif premier, c'était d'aller sur les terrains de crise sociale, sanitaire et autres, et de venir en aide aux populations. C'était ça l'objectif premier. Et on s'y tient, on est dans 50%, on a une démarche bicéphale, une démarche sociale très profonde dans tous les pays d'Afrique francophone. On essaie à notre petit niveau de faire ce que l'on peut avec les petits moyens qu'on a, et une démarche politique qui fait plus de bruit, parce qu'évidemment, quand vous parlez de la politique et du néocolonialisme, ça fait plus de bruit, mais ce n'est absolument pas la seule corde à notre arc, je le dis simplement. Sax, allez-y. En écoutant toujours le jeune Kébé, tu as l'impression... Kébé. Ah, j'ai un nouveau nom, Sa Majesté. Seba. Voilà. Kémi Seba. Hier, c'était Sémi Kéba, maintenant voilà. C'est Kébé. Ouais. Voilà. Non, Kébé, c'est un de ses frères aussi qui se bat comme vous au Mali. Okay. En vous écoutant, on a en face de nous un jeune très intelligent,
je sais pas. Qui sait dribbler les questions. Oh, mais je sais surtout quelle répondre. Que soit la fougue de jeunes, l'excellent des sages finira toujours par vaincre. Ah bon, mais la sagesse n'est pas une question de d'aînesse. D'accord. Ah. Vous êtes toujours en état d'urgence si vous ne respectez pas les règles d'urgence. Alors, réellement aujourd'hui, un pays qui est en état d'urgence depuis des années, qu'est-ce qu'il faut réellement pour le Mali et pour ses autorités? C'est vrai qu'on est en état d'urgence, cher frère. Et puisqu'on doit respecter les règles d'urgence, normalement, autour de ce plateau, on aurait tous dû avoir notre masque. Aucun d'entre vous ne l'a. Oui, mais c'est la licence. Oui, j'arrive. Vous êtes venu avec votre masque aussi. J'arrive. Non, mais moi, pour la gouverne de notre spectateur. Vous m'avez dit que je ne respecte pas les règles. Moi, j'assume mon positionnement, mais j'ai l'impression que j'ai en face de moi des gens qui font pareil que moi sans le dire. Mais je termine mon propos. Et donc maintenant, je réponds à votre question avec le sourire, mon cher frère, en vous disant que je répète, un peu partout dans le monde, des gens se réunissent quand ils estiment qu'il y a une situation injuste qu'ils connaissent, Covid ou pas Covid. Il y a une sœur que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec certaines finalités qui sont les siennes, mais une sœur que j'aime beaucoup, qui est une de vos compatriotes, une sœur qui s'appelle Madame Traoré, Assa, qui a surfé sur la contestation Black Lives Matter aux États-Unis pour mobiliser pour le cas de son frère en France, d'accord, et qui a profité du ras-le-bol de la population qui était confinée pendant un temps, et ils sont tous sortis alors qu'on était encore en cas de Covid. Vous êtes partis les stigmatiser ou les vilipender en disant pourquoi ils sont mobilisés. Parfois, la mobilisation est nécessaire, quelle que soit la situation de crise. Ce qu'il serait intelligent de faire, ce serait de demander à tout le monde de porter un masque. Okay. Ça, c'est autre chose. Okay. Mais dire qu'ils ne peuvent pas se réunir, etc., dans ce cas, que personne ne soit dans les rues, parce que partout où je vais dans les rues, tout le monde est collé, et je vois pas. On ne peut pas me rendre responsable. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour le Mali ? On me rend pas responsable. On ne peut pas me rendre responsable du quotidien malien bien longtemps avant que je sois là. Oui. Peut-être nous sommes pratiquement dans les. C'est dommage. Dernier virage de l'émission. Je n'ai pas encore commencé. Peut-être on va vous donner la possibilité de faire toute la lumière sur cette question de profanation de la tombe de Moudou. Je pense que je me suis déjà exprimé sur ce sujet, et revenir sur ce sujet serait à mon sens superfétatoire, parce que l'immense majorité des gens que je rencontre un peu partout dehors, ou même au final sur les réseaux, parce que sur les réseaux, il y a des petites critiques de 50 likes, 30 likes, 100 likes qui parlent. Et puis, j'ai vu sur ma page un certain nombre de réactions qui sont 10 fois supérieures, de personnes qui ont compris la situation, qui ont compris que je ne peux pas venir de loin. Il faut savoir que mon programme, à la base, n'était même pas d'aller sur la tombe de Modibo Keïta. C'est moi qui ai demandé à aller saluer Modibo Keïta, parce que partout où je vais, je porte sa mémoire, je porte son combat. Il fait partie de mes figures tutélaires, comme mon maître politique, le docteur Khalid Mohamed, et bien d'autres. Et donc, je viens, quand j'arrive au cimetière, je demande à mon staff de me dire où est-ce que je peux aller, et je demande aussi à la presse de me dire où est-ce que je peux aller. Personne ne me dit rien. Les gens disent oui, t'inquiète, on te dira. Il faut savoir que la configuration du cimetière n'a strictement rien à voir avec d'autres cimetières, même musulmans, que j'ai pu rencontrer. Quand je suis parti me recueillir sur la tombe de Charanta Diop, qui était enterrée de manière islamique, les tombes n'étaient pas configurées de la même manière. Il faut qu'on puisse le dire aussi simplement. Là, il y a très peu d'espace pour marcher, etc. Je suis venu, je me suis recueilli. Les gens, les réseaux pro-français, parce que c'est eux qui ont diffusé cela au Mali, et tout le monde sait qu'ils sont présents ici. Il y a même des filières qui ont été interdites ou fermées sur les réseaux sociaux, des filières de réseaux pro-français. Ils ont pris la partie où je marchais, ils ont coupé la partie où je priais sur la tombe. Et il est important de dire que les gens qui me filmaient étaient sur les tombes comme moi. Les médias, nos confrères étaient sur les tombes comme moi en train de me filmer. Oui. Ils sont maliens. Personne n'en a parlé, je ne peux même pas leur retenir rigueur, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui prennent ces parties en dehors de leur contexte pour faire croire que je profane alors que je rends hommage de manière inimaginable. Ce qui est certain, c'est que maintenant que je sais là où on peut aller, là où on ne peut pas aller, il est évident que je ne le referai plus de cette façon. Mais j'ai prié à deux reprises. Donc vous présentez des excuses. Devant Dieu, pas devant vous, ça c'est certain. Non, pas moi. Ah oui, non, ni tout ce que moi je vous pose comme question, ce n'est pas de moi. D'accord. Mettez-vous à l'aise. J'ai présenté mes excuses à Dieu, je n'ai pas à les présenter devant qui que ce soit d'autre. Je les présente devant Dieu. Ça a été fait à l'instant où j'ai su que c'était un problème. Oui. Mais Modibo Keïta, là où il est, c'est très bien que j'ai prié pour lui, et que je prie pour lui tous les jours, et que je risque ma vie tous les jours pour lui. Fin de l'histoire. Une dernière petite question. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, vous avez eu à contacter la famille de Modibo Keïta? J'ai eu des gens de la famille de Modibo Keïta qui m'ont écrit et qui m'écrivaient avant que j'arrive, qui apprécient mon combat. Et certains ont compris évidemment que je ne profane absolument pas. Je vous réponds si vous permettez, en vous disant que ceux qui sont les concernés, je ne vais pas parler pour toutes parce que je ne connais pas toute la famille. Mais de Modibo n'est pas pour sa famille seulement. Oh, bon, si vous voulez faire les réponses. Non, j'essaie. Allez-y. Gloire à Dieu. En vous disant que les concernés,
je ne peux pas parler pour toute la famille de Modibo Keïta, mais j'ai eu des retours de gens qui ont compris parfaitement que ce n'était pas une profanation, que j'étais venu pour prier. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui parlent, qui ont essayé de me critiquer, qui ne sont pas si nombreux que ça, il y a une loupe pour les grossir, mais ils ne sont pas si nombreux que ça quand on se balade un peu dehors. Mais ces gens-là, vous les interrogez pour savoir où se trouve la tombe de Modibo Keïta, les trois quarts n'y vont même pas, ne savent même pas. Et il y a une anecdote que je suis obligé de partager avec vous qui m'a fait beaucoup sourire. Une personne qui m'a critiqué, dont je ne connaissais même pas l'existence, hein, je l'ai découvert à cette occasion, chacun essaie de se créer son buzz comme il le veut, c'est eux qui créent le buzz, c'est pas moi, qui m'attaquait. Il y a des gens qui ont ressorti la photo de cette personne qui me critiquait en disant soi-disant que j'ai profané. Ils ont montré la photo de la personne qui me critiquait, on voit... quand il pose sur la tombe de Modibo Keïta, il a les pieds exactement là où je les avais. Ce qui vous montre en réalité que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense qu'il y a peut-être aussi, par rapport au statut de Modibo Keïta, c'est mon point de vue, je pense que sa tombe devrait, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, et ce n'est absolument pas une valeur législative, mais devrait être mise à un endroit espacé, où les gens pourraient se recueillir parce que les gens du monde entier... L'accès peut être facile. L'accès peut être facile parce que quelqu'un comme Modibo Keïta, moi partout où je vais dans le monde, je défends sa mémoire, je parle de lui. Il n'y a pas une séquence, une conférence où je ne cite pas son nom pour l'honorer. C'est pour ça que quand j'ai entendu des guignols dire que je l'ai profané, j'ai rigolé. Ok. Kémy Séba, est-ce que vous allez peut-être rendre visite à Razba, un de votre frère qui mène pratiquement les mêmes combats, je sais pas de la même manière. Je ne sais pas si on mène le même combat. Oui. Je le connais objectivement, je vais vous dire les choses, parce que moi, je n'aime pas les tabous. Et vous vous posez cette question jusqu'à présent, vous vous êtes rencontrés Ça, c'est vous. J'ai appris dans la presse qu'on s'est rencontrés, je n'ai jamais vu de ma vie, mais j'ai compris. Ah, vous ne l'êtes jamais rencontrés. On s'est jamais rencontrés, mais j'ai compris qu'avec la presse, parfois, les visions de l'esprit peuvent valoir une information digne de foi. Je ne l'ai jamais rencontré. Je sais que. Il y a eu pas mal de remous au sein de la société civile par rapport à des choix politiques qui sont les siens. Ce qui est certain, c'est que personne ne peut être heureux quand un frère est en prison. Moi, j'ai été en prison à plusieurs reprises, pas pour les mêmes raisons, plus sur les questions relatives au néocolonialisme. Vous connaissez les raisons pour lesquelles... On pourrait développer, mais vous m'invitez pour une deuxième émission. Une chose est certaine, moi, je ne peux pas être content quand un frère est en prison pour ses opinions politiques, quelles qu'elles soient, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc, s'il me regarde, je prie mon frère pour que tu puisses sortir prochainement. Et peut-être qu'on se rencontrera à cette occasion et qu'on discutera de nos points communs et nos divergences s'il y a. J'ai entendu beaucoup de gens dire que attention Kémy, Razbat et toi c'est pas pareil, etc. T'associes pas. Moi, je tends la main à toute personne qui est dans une démarche de l'attendre aussi, et j'espère qu'il sortira de prison, lui comme d'autres, et que la paix pourra se retrouver, parce que nos ennemis, la guerre ne doit pas se faire entre nous. Elle doit se faire vis-à-vis de l'extérieur. Kémy, nous sommes malheureusement au terme. Vraiment malheureusement. Débat, malheureusement. Pour moi, j'ai l'impression que ça n'a même pas commencé. Je pensais que les questions allaient être plus compliquées. Okay, nous allons nous retirer pour procéder à la délibération. Ah, il y a une délibération. Oui. Ok. D'accord. Voilà, donc je pense que l'accusé s'est bien défendu. Oui. C'est vrai qu'on l'accuse quand même, on lui reproche de beaucoup de choses. Oui. Et il sait que peut-être que ça va lui poursuivre. Mais je pense que la cour, en tout cas, le juré peut l'acquitter. Sax. Kémy Séba, en tout cas, moi je le trouve très intelligent. Et il a le verbe facile, mais seulement pour ne pas être devant nous la prochaine fois, c'est de lui conseiller de sortir de l'urgence et de venir dans l'anticipation. N'attendez pas toujours que ça brûle pour faire le sapeur-pompier. Oui. Votre verdict, non, vous allez commenter le verdict certainement, allez-y. J'attends le 20 janvier pour le juger et donner ma sentence. D'accord. Le tribunal la cour étant composée de trois personnes. C'est en délibéré en fait. Non, pas en délibéré, c'est le président qui juge de ça. L'espèce poliée de drôle, vous vous organisez dans la cour. Je crois que le tribunal a décidé de vous libérer des liens de l'accusation, par conséquent vous êtes acquitté, peut-être un dernier mot. Je vous remercie pour cet acquittement qui me vaut les larmes. Oui. Et je conclurai juste pour répondre à vos propos que la prochaine fois, je viendrai avec mes ouvrages. Et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous agissons et que nous anticipons depuis 20 ans. J'ai commencé dans les médias en 2012 par ingénierie sociale, pas pour le showbiz, pas pour la télé, je m'en fous de ça, mais pour diffuser des idées parce que j'étais au fait, à travers mes recherches, des problématiques politiques. Et sociale et économique auxquelles nos peuples sont confrontés. L'urgence, nous on s'inspire de la médecine. La médecine d'urgence, ça nécessite des études. Il faut Bac plus 8 pour faire la médecine, n'est-ce pas?
Donc ce n'est pas parce qu'on soit une situation d'urgence qu'on n'a pas la capacité d'anticiper. D'accord. L'urgence panafricaniste, on anticipe depuis très longtemps. D'accord. Il y a des crises auxquelles on est confronté. Okay. Et si on n'agit pas, c'est les autres qui vont agir. On doit le faire. Merci. C'est sur cette décision d'acquittement que prend fin ce numéro de votre émission Regards croisés qui recevait M. Kémi Séba, président de l'ONG d'urgence panafricaniste, chroniqueur et essayiste. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission Les Grands Jurys.